Bonsoir. Avant d'arriver à... Alors, les attentes, ça va, Vous voulez écouter Bernard ou pas? Il y a l'Hergé qui me téléphone tous les jours depuis 3 ou 4 jours. On vous remercie chaleureusement d'être aussi nombreux. Alors, du coup, maintenant, on ne déclarera pas les manifs, hein, puisque vous êtes nombreux. Bon, vous savez que la manif, c'est contre le décret qui est paru le 3 janvier de cette année et applicable au 1er janvier prochain, qui rendra obligatoire un rétro-réfléchissant de 150 cm² entre la taille et l'épaule. On va être sauvé. Alors vous pouvez l'avoir en brassard, vous pouvez l'avoir sur vos fringues, vous pouvez l'avoir... Le moment qu'il est entre là et là, c'est pas grave si vous tombez dessus, hein, on le verra pas, mais c'est pas grave. Ah, mais moi, monsieur, j'ai un carénage devant avec un gros fin et derrière j'ai un top case. Voilà, j'ai bien dit, voilà, et on le verra pas. On m'a filmé parce que à une époque j'étais intervenant sécurité routière. Et on a fait une enquête sur le motard qui a été tué à Buziers il doit y avoir 3 ans à peu près. On m'a filmé avec une veste longue, rétro-réfléchissant au bras, partout, tout le long, partout. On m'a filmé de devant, de derrière, en circulant la nuit. On n'a rien vu. Bon, c'est ça. Vous savez très bien que ça ne sert pas à grand-chose. Bon, ben c'est une grosse connerie, pour ne pas dire incohérent, parce que de toute façon, on a déjà les casques, on a déjà les phares allumés. Hein. Ça. C'est une connerie aussi, parce qu'on sait qu'un code de voiture, ça éclaire pas plus haut qu'un mètre. C'est injuste, parce que les voitures, elles ont juste l'obligation d'avoir un gilet. Et c'est 15 euros d'amende. Nous, ça sera 68 euros et 2 points. Et c'est inadapté, puisque c'est à partir de plus de 125. Le gosse, ils peuvent se tuer tranquille. Voilà. Comme ils vont moins vite, ils vont moins tomber, vous comprenez? On va lui faire une ovation. C'est lui, hein? Allô? Allô, bonjour? Oui, bonsoir. Attendez, je vais vous demander d'écouter quelque chose. 2 secondes. Il me demande si c'est un match de foot. Bon, vous pouvez marquer sur votre compte rendu qu'il y a une centaine de motards là et qu'on va venir. Eh bien, vous n'êtes pas là. D'abord, ça sera 2 bières. C'est d'affaire, comme d'ailleurs, vous en général, vous préférez. Quand on appelle à mot d'ordre, quand on appelle à mobilisation, en général, c'est une manif. Bon, faut savoir que. Les manifs à la préfecture, ils en ont chaque semaine. Une fois c'est les laitiers, une fois c'est les paysans, une autre fois c'est les camionneurs, une autre fois c'est nous. Bon, c'est légal, donc. On peut y aller. Sauf si une fois on fait une manif nationale et qui arrive comme chaque fois en 18 juillet l'an dernier, cette année, 18 juillet l'an dernier, à être 80 000 dans toute la France, où là, ça bouge les médias, là ça porte. D'ailleurs, il y a un an et demi, il y a eu le retrait du projet de gilet fluo. Et c'est là qu'en janvier, le monsieur Guérand, il a dit, ah bon, ils ont voulu, on a été obligé d'enlever le gilet fluo, il nous a sorti ce décret à la con, la plus grande fois. Bon. Et aujourd'hui, sachez que dans toute la France, il y aura des actions comme ça. Alors regardez sur le site Motomag, regardez sur le site FFMC, à partir de lundi, on relaiera tout ce qui a été fait.
qu'il faut savoir, c'est qu'on ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'on a encore des petits trucs en tête, comme ça. Pourquoi on a décidé ça? Parce que d'abord, ben, ça ne coûte pas cher, ça ne dégrade pas. Et c'est le but, c'est de faire parler. Hein. C'est de, que les médias parlent de ça. Ok? Maintenant, il n'y a que ça qui marche. Ça ne sert à rien d'aller casser. Et puis moi, je n'ai pas envie d'aller encore. Hein. Franchement. Si on a une manif, à ce moment-là, on fait tous les points tous ensemble. Par contre, alors. Donc, ce soir, vous respectez le code, vous vous gardez correctement, sinon, si vous êtes des prix, moi. J'ai pas fait de déclaration de manif, qui nous permet un petit peu de, hein, d'être prioritaire un petit peu partout. Quoi. Ok ? Chacun est responsable de soi. Alors. Un petit truc qu'on a en tête, si jamais c'est pas le télé. Ça tiendra mieux. Sinon, il va s'envoler. Il va s'envoler. Ça. On va pas se tomber. On va ici, parce que merde. Et en plus, c'est pas le plus léger que moi. Regarde, t'as eu un peu plus léger. Ouais, je sais que j'en ai Ah, on a du pécure. Sérieux? Ouais, ouais, bah, il y a des parfums de vie. Ah, bah, non, il est chiant. C'est pour découvrir, mon gars. Et voilà. Nickel. Oh, c'est bon. Pas le mec, ça fait une jam ou... Il a plein de trucs. Le truc de film, c'est pour Allez, t'as vu tout la foule. Now the time has come. Nowhere to run.
Allez, 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 allez.